Nous bénissons Seigneur, nous disons bon Dieu merci pour le privilège de nous matin, nous sommes capables de travailler ensemble dans le commencement du mois. Il y a un mois tout neuf. Le Seigneur fait nous grâce, nous capables, ou elle, nous capables d'entrer dans un mois tout neuf. Que le Seigneur bénisse abondamment. Nous saluons chaque bien-aimé, chaque frère action nous qui là matin. Et nous souhaitons tout le monde bienvenue au mois de mars, mois de conquête. Bonjour, mois de mars. Grâce et paix, bon Dieu avec nous. Amen. 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 Gloire à Dieu. On nous dit merci, Seigneur. Merci Seigneur. C'est grâce à vous, Seigneur. C'est grâce à vous, Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Victoire au nom de Jésus. Map marché. On nous dit map marché. Map avancé. Map récupéré. M'a saisi au nom de Jésus. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Invitez-nous à l'ouvrir la Bible avec moi. Frère Maxime Yona, Deutéronome, chapitre 2, les versets 24 et 25. Qui dit, le Seigneur a dit encore, levez, ramassez toutes affaires nous yo. Passez l'autre bord ravine à non. Moi pral la gestion mon pays a mouri qui wa la ville Lisbon ensemble avec tout pays li a nan men nou. Attaquez-le. Commencez prend pays a pour nous. Depuis jodi a, m'a fait toute nation qui sous la terre paix non couchat. Comme ça, depuis attendez yo nan men non nou. Y a prend trembler. Y a gagnon celle qui est serré ta prend yo. Amen. Adorable Père Saint Jésus, Papa qui est dans le ciel, là, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci Père pour parole. Et nous demandons autant prie Père, bénis parole ça. Et fait que chaque petit qui l'a joué une vérité, vérité qui pourra franchir, vérité qui pourra transformer, et non va glorifier. C'est comme ça que nous prions Père, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Gloire à Jésus. Nous bénissons Seigneur, mes bien-aimés. Nous disons, bon Dieu, merci pour nouveau mois ça. Nous disons, bon Dieu, merci pour nouveau jour ça. Et un jour que le Seigneur fixe pour nous. Et nous disons, bon Dieu, merci pour chaque monde qui fait voyage ça, chaque monde qui fait traverser ça, qui arrive jeudi à un nouveau mois ça, le mois de mars. Nous rendons gloire à l'Éternel, notre Dieu. Parce que lui c'est berger nous, lui c'est bon berger. Hein? C'est lui-même qui gardait nous tout au long de deux premiers mois, mes bien-aimés. Et par grâce lui, et grâce à lui-même, nous arrivons dans le troisième mois et nous rentrons dans le dernier mois, premier trimestre. Là. Et si nous avons gardé, mes bien-aimés, nous avons fait un bilan de premier mois, nous avons dit le positif. Le Seigneur fait un nouveau départ avec nous. Et nous démarrer sur une nouvelle base, et le Seigneur fait que nous avons marché, nous avons progressé, nous avons avancé, et Saint-Esprit conduit nous, Saint-Esprit a agi dans la vie nous, Saint-Esprit a agi dans la vie chaque monde qui l'a, dans la vie ministère, et nous, vraiment, mes bien-aimés, chaque jour le Seigneur a ajouté, chaque jour le Seigneur a ajouté un homme, chaque jour le Seigneur a venu avec le monde. Donc, mes bien-aimés, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et c'est un temps où tout le monde vraiment a avancé. Tout le monde gagne un désir pour avancer, pour marcher, pour transformer. Donc, quel que soit, mes bien-aimés, ça qu'a fait, nous sentons que tout le monde engagé et nous sommes contents, ouais, nous contents, ouais, engagement, nous contents, ouais, tout le monde qui a fait effort pour yo vino l'autre monde, qui a fait effort pour yo transformer, pour yo grandir, pour yo sembler à Jésus. Et je dis à ce que ça, mes bien-aimés, nous rentrons dans un mois tout neuf. Et thème nous gagnons pour moi ça, le Seigneur Banoni, sous inspiration Saint-Esprit, Libano conquête. Mars, c'est le mois de conquête. Et qui côté nous joigne thème ça, mes bien-aimés, nous joignons dans le texte que nous sortons pour là, de Deutéronome chapitre 2. Les versets 24 et 25 qui dit nous, commence la conquête. Commence la conquête. C'est commence la conquête. Là, mes bien-aimés, nous avons gardé dans le passage que nous sommes là, nous voyons que
Nous en présence, mes bien-aimés, un peuple qui est découragé. Nous en présence, un peuple qui est désespéré, qui fatigué vivre dans le désert, et un peuple qui confus, qui pas comprendre, mes bien-aimés, plein bon Dieu. Alléluia. Ils pas comprendre plein bon Dieu pour la vie. Yo. Donc c'est un peuple qui gagne un goût en mer, il gagne un goût en mer de la vie. Et gardez mes bien-aimés, dans le texte là, mot d'ordre là, l'éclair, le Seigneur vini, li ba yon mot d'ordre. Et mot d'ordre là, c'est lui-même qui baille, et mot d'ordre là, simple, mes bien-aimés. Il paraît simple, mais combien puissant, alléluia, commence la conquête. Dans le découragement, dans le désespoir là, dans la fatigue, côté, et le Seigneur vient, il dit, attaquez, commence la conquête. Oui, mes bien-aimés, le Seigneur vient d'aujourd'hui, il vient d'où dans moi tout neuf ça, commence la conquête. Oui, son jour tout neuf qui levait, son jour tout neuf qui l'ouvrit sous là, c'est un mois tout neuf qui paraît sous vous, c'est une nouvelle saison qui commence pour vous, c'est saison, c'est fin désert, c'est fin désert, c'est fin problème, non, c'est fin tourment, c'est fin tête chargée, yo. Commencez marcher, marcher vers accomplissement, promesse, mon Dieu, dans la vie, yo. La paix, mon Dieu, avec vous. Car mes bien-aimés, conquête là, c'est qui ça? C'est moment côté, mon Dieu, à visiter, yo. Conquête là, c'est moment côté, mon Dieu, à intervenir dans la famille, yo. C'est moment côté, mon Dieu, à intervenir dans le problème, non. C'est moment côté, mon Dieu, à intervenir dans la tête chargée, ya. C'est moment côté, mon Dieu, à intervenir dans la difficulté, ya. Dans l'inquiétude, là, dans la peur, là. Conquête là, mes bien-aimés, li pas l'autre bagay, c'est manifestation fidélité mon Dieu pour accomplir plein divin que li gagne dans la vie, oh. Plein divin que li gagne dans la vie, non, alléluia. Dieu, mes bien-aimés, qui c'est mon Dieu tout-puissant, c'est lui-même qui mobilise nous, c'est lui-même qui mobilise le peuple pour bataille, pour capable faire nous entrer dans la bénédiction, nous. Pour capable faire nous entrer dans la destinée, nous. Pour capable faire nous entrer dans le plan que lui gagne pour nous. Plan que lui travaille, lui élaborer, lui préparer d'avance pour nous. Donc ça veut dire, mes bien-aimés, bon Dieu ça, qui prépare, qui mobilise le peuple lui pour bataille. Et faut qu'on bataille, mes bien-aimés, pour entrer dans le plan bon Dieu. Faut qu'on bataille pour entrer dans la bénédiction. Faut qu'on bataille pour entrer dans la destinée. Pas de monde qui a fait pour vous. Pas de monde qui a fait pour vous. Pas de monde qui peut faire un cadeau, mes bien-aimés. Pas de monde qui peut faire un cadeau, qui peut quitter le chita et puis vous mettez manger dans la bouche. C'est pour bataille. Donc, bon Dieu, ou pas pour contour. C'est bon Dieu qui mobilise pour combat. C'est bon Dieu qui mobilise pour conquête là. C'est bon Dieu qui mobilise pour attaquer. Alléluia. C'est pas ou même qui va décider qui va attaquer. C'est pas ou même qui va décider qui va attaquer. Non, c'est bon Dieu vivant qui va mobiliser parce qu'il compte qui pour attaquer. Il y a un monde, mes bien-aimés, qui parti à la conquête. Il y a un monde qui va faire conquête. Qui j'ai eu relé, il parle l'autre monde que yon conquérant. Son conquérant courrier. Donc moi-même avant aujourd'hui, nous tous nous c'est des conquérants. La paix bon Dieu avec vous. Dis-moi c'est un conquérant. Alléluia. Moi c'est un conquérant. M'pa konn pour vous. Alléluia. Mais moi connais nous c'est des conquérants. M'pa konn sou quoi ça. M'pa konn sou maintenant tête ou sou connaît que son conquérant yé. M'pa konn sou maintenant tête ou c'est son yé. Mais moi m'konn c'est sa mais son conquérant yé. Donc chaque fois mes bien-aimés, nous chaque qui là, nous engager nous dans conquête. Car mes bien-aimés, yo pas faux cadeau. Yo pas faux cadeau. Parce que nous pas baou parce que nous remèrent. Nous, chaque qui l'a, mes bien-aimés, nous engageons nous nos conquêtes. Gen moun se conquête pour santé, gen moun se conquête pour travail, gen moun se conquête pour famille ou carité unie, gen moun qui sa fait conquête pour foyer pas crasé, gen moun qui a fait conquête parce que li endetté, finance li tête en bas. Mais son conquête ou a fait pour capable rester, pour capable résister, pour capable kembele. Donc c'est parce que le Seigneur, ouais, ça a passé dans la vie, non. Et puisque vous côté le Seigneur a sorti avec nous, et vous côté il pralé avec nous, mes bien-aimés, il vini pour aider nous, pour nous bien mener conquête ça. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Pour nous bien mener conquête ça, mes bien-aimés, il vini pour aider nous. Et c'est peut-être ça le Seigneur mettait dans le cœur, nous, mes bien-aimés, comme ça, pour capable prendre main. Pour capable prendre main, mes bien-aimés, car moi, ça, pendant tout temps, c'est ça qu'on peut attendre, c'est parole sous conquête là.
Donc ça veut dire son combat. Et l'on garde mes bien-aimés, et où dans la foi, yo, si là qui ou joue avant nous, ou pral garder ou capable de servir avec yo, ou capable de servir avec comme source d'inspiration, pour moi, conquête là. Pour moi, conquête là, et ça peut être un message aujourd'hui, mes bien-aimés, mais c'est souligné, nous pral parler avant, c'est changer, faut qu'on change pour mener conquête là. Faut qu'on change pour mener conquête là. Faut qu'on change mentalité pour capable mener conquête là. Faut entrer dans mentalité de conquérant. C'est ça que fait. Faut changer pour mener conquête là. Ou regardez mes bien-aimés. Un homme tant qu'ou Abraham pour réussir mes bien-aimés dans toute son entreprendre, clé à ces changements. Clé réussir tous les changements. Pour réussir, pour arriver à atteindre l'objectif, il faut changer. Abraham te gon appel sous la ville. Et à appel ça, te gen une promesse qui t'est attachée à appel là, mes bien-aimés. Et où t'es capable de dire son promesse grandiose. Yon promesse qui pral changer complètement la vie Abraham et la vie toute descendance li. La parole de Dieu dit, oh, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré lui-même, alléluia, en disant certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. C'est ainsi qu'après une patience, une attente patience, alléluia, une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Oh, les hommes jurent pas plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu voulait montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision. Est intervenu par un serment, alléluia, ainsi par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, mes bien-aimés. Donc, regardez Hébreux chapitre 6, les versets 13 à 18. Donc, mes bien-aimés, bon Dieu fait une belle promesse à Abraham. Il dit, Abraham, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai. Donc, pour être capable d'aller assurer ça, mes bien-aimés, que l'a accompli, ça le promet, l'IA, lui fait au serment, la paix, bon Dieu, avec eux. Étant donné que bon Dieu, au-dessus de toute bagaille, lui pas capable de jurer par personne qui est plus grand que lui, lui jurer par lui-même, alléluia. Lorsqu'il affirme certainement, j'accomplirai ma promesse, alléluia. Certainement, j'accomplirai ma promesse. Donc, Abraham, mes bien-aimés, il y a deux bagailles irrévocables qui reposaient sous tête lui. La promesse et le serment de Dieu. La paix, mon Dieu, avec eux. Amen. Et ça fait pour dans Galates chapitre 3, le verset 29, apôtre Paul pour révéler nous que nous-mêmes, nous sommes héritiers de promesses, parce que nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Aux mêmes promesses, mon Dieu, fait à chaque conquérant. Je dis à moi, je le connais, mais qui promesse que mon Dieu fait oh, en tant que conquérant, il dit oh, je te comblerai de bénédictions et je te multiplierai. La paix, mon Dieu, avec oh. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, Abraham est capable de considérer comme le premier conquérant de la Bible. Chaque fois que il citait, donc la parole de Dieu présentait comme étant un modèle de foi. Un modèle de persévérance. Donc, pour entrer dans l'accomplissement promesse, bon Dieu préparait Abraham pour capable d'entrer dans lui, préparer Abraham pour faire trois changements, mes bien-aimés, dans la ville. Changement que tout conquérant doit faire. Changement que tout conquérant gagne pour le faire pour entrer dans la conquête. Et c'est là qu'on a campé, mes bien-aimés. Le nous retourner, eh bien, n'a entré dans le changement avec vous. Mais qu'on est aujourd'hui, ou son conquérant, ou qu'on promet sous tête, ou qu'on serment que bon Dieu fait, et pour entrer dans la conquête, il faut qu'on change. Et le nous retourner, n'a va entrer en détail dans le changement. Yo. Et bien, trois changements, mes bien-aimés, que tout le monde qui a mené la conquête là, pour yo opérer, pour yo faire. Que le Seigneur m'a dit, pour yo faire.
que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu fasse grâce, ou capable de rentrer, ou capable de changer, pour mener conquête à bien, pour mener conquête au Jean bon Dieu, v'lait là, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.